Bienvenue dans l'émission Les Temps Longtemps. Alors, beaucoup parmi nous autres finiraient connaître que nous étions cette semaine-là. Bien sûr, nous retrouvons-nous dans le Champ de Mars, mais particulièrement dans la loge du gouverneur. Alors, qui fait-nous là? Ce n'est pas pour cause le colonel Draper qui est derrière moi, mais plutôt cause le Robert Farquhar, Sir Robert Farquhar, qui est le premier gouverneur sous l'ère britannique, bien écossais, et il vient faire beaucoup pour nous pays Maurice. Alors, avec moi, comme d'habitude, pour nous cause sa personnalité-là, nous avons Alain Janot, nos collaborateurs, qu'il a depuis le début de l'émission. Alain, avec moi, nous pouvons avoir un petit peu en détail la vie de Robert Farquhar pour connaître un petit peu qui il vient faire exactement à Maurice. Donc, Alain, merci encore une fois de vous être présent pour nous l'émission. Alors, aujourd'hui, comme on vient de dire, nous retrouvons dans l'endroit qui n'est pas normalement venu. Hein. C'est la loge du gouverneur. C'est un endroit très exclusif. Mais l'important qui nous l'a pour nous cause, Sir Robert Townsend Farquhar. Alors, comment nous habituer à faire, Alain, nous commence en arrière dans la vie. Quand il sorti et comment il finit de Maurice? D'abord, nous avons dit là, nous pouvons attaquer à un monument de la nation, hein, à un monument de la construction de l'île Maurice. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, moi, je ne peux pas dire mon père, mais c'est avec un peu d'appréhension. Absolument. Qui nous peut aborder sa personnage de Farquhar là. Donc, Robert Farquhar, eh ben, il est né le 16 octobre 1776 en Écosse. Son papa William, c'est un éminent médecin, et son maman appelle Anne. Robert, bien jeune, il rentre dans l'école Westminster. Là-bas, il a étudié ce qu'il nous appelle bookkeeping. Les comptabilités. Comptabilité. À l'âge de 17 ans, il rentre dans une compagnie qui s'appelle British East India Company. Justement, c'est une compagnie qui fait un rôle très très important pour les Britanniques pendant l'ère de la colonisation. Oui, et il était impliqué, comment son nom même, il était impliqué dans le business de l'Orient vers l'Occident. Nous causons des épices. Nous causons un peu de tout. Ouais, nous pas pour siéger ça. Absolument. Nous déjà causé ça. Pas de l'histoire là, nous déjà causé ça. Mais c'est un compagnie comme Tina, compagnie des Indes orientales en France, et comme Tina pour Hollande, d'ici là. Alors il y a le travail là-bas. Il y a un posting dans ma région, côte anglais colonisée. Donc il commence à travailler comme un writer, et puis il commence à travailler un peu le comptoir, comme un merchant, etc. Son premier poste important de gouverneur qu'il a gagné, c'est dans Prince of Wales Island, qui trouve dans Penang. Il y a assume sa rôle là de 1804 à 1805. Mais on connaît dans sa période, comment dire, que le bateau anglais peut sortir de l'Europe, peut venir vers l'Inde, mais obligatoirement, je disais un passeport Maurice, je n'allais pas encore ouvrir le canal des chaises, et là. Mais dans Maurice, nous tiennons, comment dire, un peu de rapport, pas trop correct avec la France. On rappelle en 1796, nous renvoyons un représentant du directoire Baco et Bianel. Alors, il y a un peu bizarre. Alors, il y a là qui arrivait l'économie, lui aussi basée, on ne peut pas dire complètement, sur ce qu'on appelle privateering. Alors, ban corsaire, ban pirate, fatigué un peu, ban bateau anglais, dernier lien, comment dire, ban anglais, dire comme ça, mon corps le bizarre, arrête ça, ban histoire là, tant qu'il pouvait dans Maurice pour appartenir à ban français, il pouvait avoir ça problème. Ah ben, il pouvait avoir ça problème là, et il pouvait fatiguer nous pour nos installations durables dans l'air. C'est important de mettre dans ce contexte là. Absolument. Alors, les là qui arrivait, ben, l'anglais tient comme ça, mais il arrive l'air pour comment dire, pour nous trapper Maurice là, pour nous coloniser Maurice là, pour Maurice vienne pour nous. Oui, oui. Et l'air là, ça qui est arrivé, nous fait un peu mes tentatives, enfin je récite dans la Réunion. Je t'ai installé dans la Réunion. C'est de la Réunion qu'il attaque fin de venir. De l'attaque. Comment s'orchestrer depuis pas là-bas, je t'ai installé dans la Réunion. Alors Farquhar, il désarmait l'air. Oui, oui. Anglais dans la Réunion, pendant quelques mois. Vers les jeunes
jusqu'à décembre 1810. Mais là, essayer une première tentative en août, bataille du Grand Pont, il écrit l'Arc de Triomphe, l'Anglais perdit. Absolument. C'est la seule bataille navale qui va l'Anglais perdit. Ça n'est pas napoléonien, hein, qui va l'Anglais perdit. Alors, belle défaite. Et ça fait là l'objectif pas. On dit une touche un point sensible là. Une touche un point sensible. D'abord pour stratégie et deuxièmement, il a un peu ça, fierté, ça égo là. Mais là, j'ai dit ça, c'est un coup de là. Marabout t'amène, c'est un coup de là. 70 bateaux débarqués en décembre, puisqu'il y a 23 000 dimouines, le général Descamps, qui tient en sens Maurice Couban français. Et avec ceci, pas 5 6 000 soldats là, qui pourra faire? Ni bien, comme dit Gosé Ranzom. Les pavillons blancs ont attaqué. Comment dire, fin novembre 1810 et le 3 décembre, je viens à la place d'homme ici, right? Capitulé, et les 5 Fort-Port prend ce poste. Gouverneur de Maurice. Mais on connaît quand même comment, ça ne peut pas dire quand il est dans l'esclavage, majorité de population du monde dans Maurice. C'est pas l'esclave. Après, on a une transpopulation qui nous appelle Bandit, nous avons une population de couleur. Après, nous avons une minorité de bandes blancs qui possèdent pratiquement tout. Et c'est eux qui, comment dire, à la tête du pays. Et ça va être très puissant économiquement. Mais Fort-Port, ben, là, il faut qu'on aller justement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, comment dire, pour dire à l'attaque frontale, comment dire. Très diplomate dans ce qu'il fait. Extrêmement diplomate. Tellement diplomate qu'il peut avoir, comment dire, quand vous guettez l'histoire, si vous ne pas guettez-le de manière calme, de manière posée, avec le discernement et remettez-le dans le contexte de l'époque, pour qu'avant vous l'ayez. Absolument. Pas d'affaires qu'il fait. Après, il y a même un tout terrible. Fort-Port, l'étimorier et qu'un. L'étimorier avec une madame d'origine française, parce que ce madame sorti dans Madras, okay, d'origine française, s'appelle Maria Frances Gaslip de la Tour, hein, et Fort-Port lui-même, lui écrire et lui parle le français couramment. Absolument. Donc un atout incroyable à sa découverte. Incroyable dans le contexte qui m'a fait dire là, parce que français là, lui, il n'est pas intéressé pour lui prêter allégeance à la couronne britannique. D'ailleurs, le français est toujours la langue parlée parmi les colons à sa époque, même sous le régime britannique. Ben, bien sûr, et nous pouvons venir nous là. Ben, là, tu peux le français, et même le dialecte, qui s'appelle dialecte, mais qui aujourd'hui ne reconnaît pas même langue. Grâce, oui. Hein? C'est le créole, mais tu n'as dérivé du français avec un apport africain de plusieurs milieux. Hein? Ok, alors là, il prend le 5 décembre, et comment on connaît au même, qui c'est là qui finit les clés de la cité, pour pas ainsi dire, c'est l'Église des Geoffroy qui donne les clés des batteries, des choses. Il faut nous souligner ça parce qu'il va choisir un Français. On va dire, il choisit une personne de couleur, un du monde des Valères. Là, il commence à montrer qu'il ne reconnaît pas du monde des Valères. Et là, ben, le premier trait de la capitulation, là que commence à dessiner, mais ce n'est qu'en 1814, lors du traité de Paris, qui ben, confirme ben, le terme de la capitulation. Et les termes de la capitulation sont très très généreux envers les Français. Hein? Et ça m'a terme là dire, ben, là, je garde, je culture. Je garde cette langue, je garde cette religion, et même certaines provisions légales, système judiciaire, je garde. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on peut la comme Napoléon. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il m'a déchouffé. Right? Lui, il trappe les bousses de l'État. Absolument. Vous comprenez? Et bien là, quand il me dit tout ça, va nous laisser là. Ça me dit bien. Pas tout à fait. Il y a une partie qui me retourne la France. Vous connaissez à l'époque là,
l'époque des guerres, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est là, ça fait là, il est retourné, mais il a content aussi. Il y a du monde, mais il y a 23 000 du monde, il descend, mais c'est 23 000 consommateurs, ça. Absolument. Il y a un peu de taverne qui tient là pour lui, mais il y a un peu de mais il y a un peu de business, vous connaissez parfois dans du sable. Même que tu se disais comme un province. Il finance tout le temps quelque part, il y a une influence. Il y a une influence. À l'époque, le ministère rappelle Alain qui la traite négrière, n'est plus un droit féri. Oui, Anglais finit, abolit la traite négrière depuis 1807. Mais il faut voir ce qu'il fait. Il fait un fer léger. C'est un point comme ça qui est souvent. Ouais, alors, comment dire, je lui ai dit, comment dire, un peu Anguille. Alors, un jour, il y a l'Angleterre, enfin, il parle l'Angleterre, il communique avec Banna, il dit à Banna comme ça, mais je connais qu'avec. Mais Banna, je culture ça, je parle d'esclavagisme, mais il faut pas que tu cultures ça, non, mais nous partageons, comment dire, nous pour les autres, quand je culture. Les langues, il va vous dire non. Il redresse son bretel, il a dit ça. Au bien, tu as mis un vote dans sa loi. Mais Nibois, me souligner, petit Robert Faucon tient en titre là-bas, c'est ça. Enfin, ouvertement, il est obligé, un anti-esclavagiste, parce que les représentants de la couronne britannique, il n'est pas capable autrement. Absolument. Mais seulement, par rapport à ce bonne relation avec banque français, les bizarres même son rôle. C'est pas de réalité. C'est pas de réalité. Mais, sorry, nous pas pour dire qu'il rôle là, c'est correct. Vous pouvez trouver, après, nous poussons ce système là. Mais nous espérons qu'on puisse voir. Nous poussons ce système. D'ailleurs, le rapport Colbook et Blair, qui finit dire, qui finit dans près de 20 000 esclaves, qui finit amener illégalement. Absolument. Alors, comment. C'est pas tout carrément, mais ça illégalement, c'est comment dire, parce que tu appliques la loi comme avisé. Tu appliques la loi là comme avisé. Mais il y a là où vous trouvez qui, plus tard, il pour aller à Madagascar, qui est le principal pourvoyeur d'esclaves, il pour avoir un représentant dans Madagascar, pour aller négocier avec le roi Ragama, pour dire comme ça, mais les bizarres avec sa business là, et il y a là qu'il fait. Comment dire, lui donner une pitaille, porter des esclaves petits pour venir, une compensation, comment dire, et en plus de là, lui donne Radama Zom, comment dire, lui prend ce défrayer, lui fait ce défrayer, venir apprendre ici dans le collège colonial, qui vous venez, collège royal après, et tiens, tout collège dans la région, ça. Ah, oui. Et donc, ça a déchiffré Radama Vini. Alors, il y a un package qui peut faire ça. Alors, Radama dit comme ça, correct. Vous pouvez donner sa main française. Mais il y a là un gouverneur, Gage Holding. Vous connaissez Faucon, il était absent de Maurice de 1817 à 1820 pour des raisons personnelles. Cela sentait aussi parti trop bon. L'étant Gage Holding, mais Gage Holding, il tient du monde, comment dire, il tient militaire d'abord, il tient la même façon de prendre l'attaque frontale. Gage Holding, c'est ça. Ça fait là illégal, moi je vais payer toi, tu vas faire un affaire illégal, et après, donne ça la monnaie là à la. Mais il y a là qui est arrivé. L'ouvrage a recommencé, voilà. Pour revenir sur ce système, comment dire, de diplomate, de tactful, là nous trouvons que les saints, ils viennent gouverner, et le 4 janvier 2011, même pas un mois après, il y a vu tout le monde, une danseuse, parle du gouverneur, souper tout le monde, belle fête. Mais ben, pas content. Quand on peut dire, c'est l'élite, là. Hein? Ben, là, content. Là, il dresse ban la peau, et surtout, ben, gouverneur anglais cause français, surtout madame cause français, parce que c'est là, il y a des jolies garçons. Et à ce moment-là, tableau madame, je suis posé madame, je suis un joli madame. Oui. Ouais. Après, ce qui peut arriver, en 1814, après, il y avait un rôle là. L'île Maurice appelle l'île de France au même document officiel jusqu'à 1814, quand signe traité de Paris. Oui. Là, nous dressons tout en place. Là, nous commençons à faire un peu vicieux. Voilà. Là, il commence à
serein, et justement, là, il dit, Maurice répond le nom de Bruchers, ça veut dire, bah, même pour mon temps, il t'en a adapté tes œufs. Adapté tes œufs. On prend l'étude toujours, on va dire, ménage la chèvre et le chou. Et comment nous, là, sa place qui nous est là. Tu pouvais me mettre directement vers ça. Moi, t'as nous, puis c'était moi. Alors, ça, l'endroit-là, ce création, il dit, pas juste un lieu côté là, sport hippique, mais il dit, fait pour calmer les ordres de banane. Alors, raconte-nous. Exactement. Ça, l'endroit-là, c'est un centre de pacification, ça. C'est une stratégie qui nous dit. Et ça, l'endroit-là, il y a une importance prioritaire pour Maurice, ça, par rapport à ce dimension de loisir, par rapport à ce dimension historique, où réaliser sa petite île Maurice, hein, même pas 1800 m², 2000 m² qui est en Rodrigue, nous, on a ici, là, nous fait 10 bouts dans un hippodrome, qui deuxième, donne-moi bien, hein, deuxième plus vieil hippodrome dans le monde entier, et bien, premier dans l'hémisphère sud. Absolument, absolument. C'est extraordinaire. Et nous c'est, ramène-nous dans cette époque-là, en 1912, il n'est pas juste un hippodrome, il y a un endroit, comment vous dire, pour les loisirs. Pour les loisirs, alors, et pour la rencontre. Absolument. Et pour nos... Et comme nous rencontre ici, voilà, il y a... Absolument, il y a un jeu. C'est une bonne carrousel, c'est une bonne affaire qui tient un endroit, comment vous dire, pacificateur. Pacificateur. Et là, le 25 juin 1812, je t'organise premier les courses ici. Mais c'est le 12, si pas le 11 juin 1812, qui, sous le patronage de Fancourt, avec de ce monsieur-là, colonel de l'Épée, et ça dit là, je m'éclate ensemble. Organise les courses. Et les courses, c'est un événement tout à fait joyeux. Là encore, une peut de la classe des privilégiés, à côté de privilégiée, dans l'Ose, Madame Mezzoni, toilette. Et à ce moment-là, il y a là, comme on dit, dans les courses. Même qui a trouvé, une madame qui appelle Frécine, Rose de Frécine, qui est une Maurice, l'OL Bateau Luranie, qui peut faire les courses. Bon, là, Rode Fessiné racontait sa face qui est là dans les courses, disons comme ça, Maurice, ben, madame, encore comparé, tu lui disais, ben, madame Maurice, puis je lui dis, ben, madame, 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 tu allais pas qu'elle arrière, là. Alors, il est là, disons comme ça, qui, où tu trouvais dans les courses, on m'a dit, ça va me dire, déjà, j'étais dans une madame, plus, il y a une place que j'étais dans une, déjà, madame, c'est la réalité de l'époque, et ben, déjà, madame, là, pour voir, bien habillé qui et ben déjà maintenant je t'appartenir à sa communauté de ma population des Couillères. Ouais, nous passons là. Alors là, Fancourt, pour retourner vers Fancourt, il n'est pas une fait ça comme un lieu de pacification. Hein? Toujours il est bon pour dire que le premier cheval qui finit la coupe d'eau, qui l'est dit pour Fancourt, fait donne sa prix là, c'est qui s'appelle Fanny. Il s'appelle Fanny. Il n'est pas fini faire juste ça. Il finit faire aussi, bien évidemment, man balle assez régulièrement. Créer un centre de culture aussi. Exactement. Et puis il finit faire le théâtre de Pau-Luy. Absolument. Hein? En 1822, le théâtre de Pau-Luy, qui est l'autre centre, à son disant, Pau-Luy est plutôt commercial. Mais longtemps, Pau-Luy, c'était l'endroit que m'a dit, quand il y a un petit Paris, ça. C'est un lieu culturel. Un lieu culturel extraordinaire. Et Fancourt, lui, encourage sa développement, sa richesse culturelle immatérielle, comme on le dit là, parce qu'il connaît dans la culture qui est là, comment dire, rassemblée du monde. On lui fait ça, théâtre de Pau-Luy là. Mais c'est vrai, Fancourt, lui, il n'est pas, comment on explique, des côtés radam, on peut se faire esclave, il guette aussi sa dimension en esclave. Mais comment dire, il veille un peu, comment dire, sous tapis. Ouais. Et à ce stade, qu'il fait encore, il encourage l'éducation, comment dire,
personne découlée. L'étant révérend Jean Lebrun vini en 1814, l'étant révérend Jean Lebrun fait l'école en 1814 avec les enfants de la population découlée, mais ban privilégié pas content. Il commence moque des autres, tu commences à voir, je commence à dire qui peut faire pour le gouvernement. En fait, la botte à ce sujet-là, c'est faire l'émission de le révérend Jean Lebrun. Oui, il est là, et Robert Faucon, il y a des gens de ça, arrive une demande pour lui, une demande de l'université. Mais ils ont dit, il est loin là-bas dans l'université, il n'y a pas qu'être à 4 ans, donc il y a 5 collés pour toi. Ça veut dire, on a 5 collés pour toi, venez, nous te collés, accompagner de nous des demandes réduites. Ah, pour venir des mois, ma dire, pour venir jouer au football, là, nous assister à la table, discuter, pour moi, pour faire ça l'avancement, ça groupe des populations découlées, qui, pour moi dire, en retrait du développement. Et c'est un peu grâce à Fort-Port qui banna, et Jean Lebrun, qui fait ça une pétition là à la reine, pour qui. Ban représentant royal vini en 1825-26 pour faire un grand état des lieux de Maurice et à partir de là, on connaît beaucoup de développement finalement pour la population de Guyane. Mais peu importe. Nous aussi, nous disons qu'il y a une dimension de Fort-Port. Quand il y a un anglican, il dit Fort-Port, mais il rénove l'église Saint-Louis. Absolument. Qui est l'église principale de pour lui. Pas de chapeau d'une cathédrale, il y a une cathédrale vers les 1847. Mais il rénove l'église Saint-Louis et c'est nul autre que l'autre Moira qui vit de Maurice pour une pose à première pierre en 1813. Donc vraiment il est un diplomate, mais pointilleux. Mobédiao Banna choisit pour ses qualités de négociateur, ses qualités de chameur, ce qui à jour du jour nous appelle de soft skills. Oui. Beaucoup de monde ne comprend ça. Qui parfois nous préfère, comment dire, c'est le maximum pour nous gagner du monde, pour nous gagner les choses à travers le tact, à travers la diplomatie, à travers certaines stratégies comme ça. Vous dites, c'est un visionnaire. Parce qu'il s'est dit quelque part qu'il finance courage l'immigration chinoise. Ça, Ouena tout à fait raison. Et il finit de trouver qu'il pourrait avoir sa manquement de main-d'œuvre là. Parce que quand nous arrêtons la traite, ben, nous ne pouvons pas gagner sa constitution là pour travailler. Et bien, aristocrates, ils ne veulent pas travailler. En 1811, ils disent que nous devons faire un petit mois venu. Ils ont déjà essayé ça dans le pénal là-bas pour petit peu travailler. Ça, tu m'en sais. Ils disent que nous devons faire un petit mois venu. Mais ce collaborateur n'a pas accepté. Dernier lien. En vers les 1821, alors il est là, il avoue un représentant chinois là-bas, qui descend dans Maurice, il appelle Aimé, Aimé Choisan, il amène un contingent à travailler chinois dans Maurice, et ce n'est qu'en 1826 qu'il en a mis. Donc, il est, comment dire, capable, un peu considéré comme le père de l'immigration chinoise à Maurice, et Dieu sait combien, malgré la minorité numérique des Chinois, combien ils ont fini à mener dans nos paysages culturels, économiques, némites. Ben, les Chinois finissent à mener beaucoup, ou même refusent d'un petit minuit. Absolument pas. Hein? Absolument pas. Ou sont bouillon blé. Voilà. Alors, nous capacons longuement le gouvernement Fort-Port. Mais le temps fait nous défaut, ne pas pour rentrer dans ce détail de ce la vie après l'île Maurice, mais il y a une question qu'il vient faire, qui fait aide Maurice grandement à cette époque-là, il concerne l'industrie sucrière. Fort-Port nous vient dire qu'il prend office en 1810, son office fut arrêté en 1823. Et entre les films absents du pays de 1817 à 1820, mais Fort-Port est tellement content Maurice qu'il finit toujours garde Maurice dans ce guerre. Donc, les gens ont trouvé
qui Maurice, il dépanne beaucoup l'industrie sucrière parce que quand un grand cyclone passait, tout ça fait écrasé, sauf qu'un un peu épargné. Et puis, il appelle le retour l'investissement. Right? Alors, tu as une taxe supplémentaire qui te fait fatigue par l'exportateur du chic. De Maurice seulement, là. Alors, en tant que membre of parliament, justement, c'est un aspect qui n'est pas fini d'aborder. Oui, le Sénat, il est député à trois reprises. Il est député. Il est député de Newton, il est député de Kent, et en tant que membre of parliament, il fait supprimer sa taxe-là. Vous connaissez qui l'avantage pour Maurice. Right? Il est vrai qu'à l'époque, c'était mal privilégié, que tu peux profiter de ça, mais seulement l'industrie sucrière, c'était le backbone du pays entier. Tout du monde, quelque part, il y a un sucrier de sucre. Right? Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on supprime ça, et là, donne un nouvel élan à l'industrie. C'est tout un contexte. Devient plus compétitif, nous allons dire. C'est... Absolument. Devient plus compétitif et à un certain moment, bon, on dit pratiquement le même level qui parle les autres. Hein. Et on nous a dit qu'ils jamais fait oublier Maurice, comment on peut dire où. Et fort quoi, et bien, aussi, les symptômes malades. Aussi, hein. Et il a aussi fini le malheur de perdre son papa, l'étant en Angleterre ou en Écosse. Pas qu'on exactement comment tu peux rester. Mais c'est un coup pour lui parce qu'il est assez proche de son papa. Voilà, donc vous pensez même faire des tours. Alors, nous, moi, l'eau sur l'amour, malheureusement, en 1830, faut pas décéder, quand tu peux dire, il est assez malade. Et donc, nous ferme une parenthèse dans l'histoire de Maurice-là avec Solambo, mais aujourd'hui, malgré des ans après, nous sommes capables de dire, cela influence encore visible de Maurice. Cela influence visible ne serait-ce que dans sa base que nous étions là. Cela influence visible au niveau culturel. Cela influence visible au niveau économique. Cela influence visible au niveau religieux, parce que la religion catholique qui tient la religion des privilégiés de l'époque, il fait même aide pour maintenir, pour rénover l'église principale de Maurice. Il n'a pas fait une force, aucune conversion. Il n'a pas fait une oblige, ban colon avec ban personne de couleur ou même ban esclave qu'aux Anglais. Il a fait permettre aussi ban l'église anglicane, bien sûr, implanter Maurice et aussi par la dénomination protestante, comme l'église presbytérienne du référent Lebrun. Sur l'influence visible au niveau de nos structures légales, parce qu'il fait une laisse ban la loi française la même. Au niveau économique, il tient une belle influence aussi parce que quand il. Vous voyez, parfois, c'était un monde compassionné. Hein? Quand il y a un grand feu à Maurice dans Port-Louis en 1816, il fait une ponction financière pour épargner du monde. Mais aussi, nous avons calculé, Farquhar, c'était un dirigeant. Hein, et comment nous trouver dans l'affaire Ratsitatane. Absolument. Et même quand il y a la révolte des esclaves à La Réunion, Il prend une décision bien dure, irrévocable même, irréparable même, comment dire, nous finissons par l'exécution. Tout à fait. De savantes personnes qui finissent révolter contre le système. Alors nous trouvons des gens qui. Gèrent les choses, comment bizarre. Équilibrer dans le contexte. Dans un contexte difficile. Comment dire, anglais, français, c'est pas des camarades, c'est absolument. Right? Et qui nous aujourd'hui nous donne l'héritage qui fait quoi il réussit à sa transition là. Mais parfois on dit nous disons comme ça, mais Maurice, nous ne restons plus beaucoup les temps sous le règne des Anglais, mais nous causons français. Absolument.
nous l'étions en français, mais seulement, et les clans anglais, hein. Absolument. Quand nous composait Cambridge, Collège Royal, sous forme quoi? La Bourse d'Angleterre, sous forme quoi? Donc, nous remercions pour sa partage avec nous sur la vie de Robert Farquhar, à Maurice surtout. Et donc, merci à nos téléspectateurs fidèles à cette émission-là. Nous donnons rendez-vous la prochaine fois pour un autre épisode de L'Étendue.